Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur, depuis 4 ans, d'être la marraine de FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir, fondée par Maudy Pio. Maudy Pio, atteinte d'une maladie génétique, la rétinite pigmentaire, a perdu progressivement la vue depuis l'enfance. Mariée, mère de 2 enfants, elle a été successivement infirmière, kinésithérapeute, psychothérapeute et a exercé en tant que psychanalyste. Très investie dans le monde associatif et son expérience professionnelle et personnelle, pas très vite l'ont amenée à constater que les femmes en situation de handicap subissaient une double peine, celle d'être femme et handicapée. Alors en 2003, elle a fondé FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Elle disait « Avant tout, nous sommes des femmes et des citoyennes. Le handicap est dû au hasard de la vie, ce n'est pas notre identité. Nous ne voulons pas d'un discours compatissant ou de campagne de dons un soir à la télévision. Quand la société nous regardera-t-elle comme des citoyennes ? » Face au drame des violences à l'égard des femmes en situation de handicap, elle a mis en place, en 2015, un numéro d'écoute. Écoute violence femmes handicapées. Le 01 40 47 06 06. 01 40 47 06 06. Car les chiffres sont terribles. 80% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences, de harcèlement, de viol. 4 femmes sur 5. 4 femmes. Sur 5. Depuis la disparition de Maudy, le 25 décembre 2017, à FDFA, on a eu de cesse de poursuivre son œuvre. J'ai eu la grande chance de connaître Maudy. Et il m'a semblé, dans les temps que nous vivons, de crise, de bouleversement, plus que nécessaire de faire entendre sa parole. Car les femmes risquent de payer le prix fort. Et a fortiori, si elles subissent la double peine d'être femmes et handicapées. Au fil de toutes ces lectures que je vais vous proposer, ce sera à partir des livres de Maudy, notamment « Mes yeux s'en sont allés » aux éditions L'Harmattan. Je vous ferai entendre sa parole militante, engagée ou poétique, son univers et surtout le regard qu'elle a porté sur le monde.